Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Paradise Lost, le paradis perdu, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! La neige. Génial. Le déni. Les plaques, c'est cool. Moi aussi j'ai peur du noir. C'est comme ça qu'on le fait partir, tu vois. Maman va faire en sorte qu'il fasse bien chaud. En attendant, range tes jouets. Il fera plus chaud très vite. Personne n'aime le froid, pas vrai? Peut-être que quand tu seras grand et fort, l'hiver s'en ira. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, c'est ça que je me disais. On a chacun nos moyens de savoir à chaque jour. Il suffit sa peine. Est-ce que je t'ai dit à quel point tu es courageux ou... Eh bien, même si je l'ai déjà dit, je ne le dirai pas assez. Tu dois me trouver ennuyeuse, hein? Mais c'est ça, être une maman. Ennuyer son enfant, il est l'heure de dormir, mon tout petit. Quelle que soit la noirceur de la nuit, le soleil se lèvera toujours sur un nouveau jour. Le moral continue malheureusement de chuter. Certains des hommes commencent à s'agiter. Je pense qu'ils réalisent peu à peu que leur orberle... Non, c'est pas plus qu'eux. Je comprends que notre mission est classifiée, mais nous sommes probablement l'unité la mieux équipée de toute l'armée allemande. Et notre objectif nous est toujours inconnu. Nous sommes assis sur une véritable montagne de fusils, mortiers, grenades, missiles... Compteurs, Gregor et machines de pointe qui n'ont encore jamais été testées. Nous avons même un système de communication, dernier cri, mais aucun signe de transmission entrant. Quand allons-nous mener l'assaut contre l'ennemi? Rapport de surveillance, 16 avril 1960. Fichier de charge. Kessler. J'ai été en déployé au niveau 00 à 9h42 afin de patrouiller au niveau de la trappe 061B, l'entrée le plus au nord du refuge. Une fois arrivé à la porte, j'ai pu constater que, comme d'habitude, rien n'avait changé. La porte était fermée et je n'ai encore une fois croisé aucun intrus. C'est donc la conclusion de mon rapport quotidien, que bien sûr, personne ne lira.
Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Ce n'est rien, c'est tombé. Le retour, maman, il est tombé. Est-ce qu'il est cassé? On ne pourra pas réparer le générateur sans lui. T'inquiète pas, on doit en avoir un autre quelque part. Maman, qui c'est? Ce n'est personne. Je comprends personne.
Ma chère mamie, tu ne devrais jamais qui est dans le train. Tu ne deviendras jamais qui est dans le train avec moi. Greta Müller m'a fait écouter un de ses disques la dernière fois. Elle est si élégante. Mais j'aimerais vraiment pouvoir lui parler, mais elle est à son propre wagon. Et personne n'est autorisé à y entrer. Il y a aussi un dessinateur du journal que tu lis tout le temps. Il m'a même fait un dessin de Führer. Je pense qu'il est représenté Gorin un peu plus fin. Un peu plus fin qu'en qualité. C'est un véritable honneur d'être dans le même train qu'autant de personnes aussi talentueuses. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu te dire au revoir. Ils sont venus quand tu n'étais pas là. Il était si brusque et impatient. Pas du tout comme les imaginait. Mais au moins, ils ont promis qu'ils te feraient parvenir cette lettre. J'espère que tu vas bien. Je t'aime, mamie. Adela. Tous les collants. Nous vous informons qu'une seule valise, pas personne sera autorisé. Dans Gasselschaff. Tout effet personnel supplémentaire sera confisqué à votre arrivée. Le bureau pour la race et le peuple SS s'assurera que cette règle soit suivie. Aucune exception ne sera accordée. Je pars, tu m'entends? Tu ne peux pas m'en empêcher. Je ne veux pas passer toute ma vie ici. Maman? Maman? Tout va bien? Maman, are you okay? Tout va bien? Maman, chou? Monsieur Batchober, je vous écris afin de vous demander une faveur. Je comprends qu'il ne m'appartient plus d'intervenir maintenant que tous mes biens matériels sont illégalement vôtres, mais j'espère que vous pourrez néanmoins m'accorder cette requête. J'imagine que la première chose que vous comptez faire, c'est de couper le hêtre dans le jardin. Cependant, une famille de mères noires y a eu le domicile. Pourriez-vous, s'il vous plaît, déplacer le nid avant d'abattre l'arbre? Et à la prochaine fois, je m'assurerai d'acheter un ticket auprès de quelqu'un qui me ressemble au moins un minimum. Nous n'avons rien en commun et ça se voit encore plus sur votre photo de passeport. Malheureusement, vous étiez la seule personne que je connaissais dans toute la Bavière à avoir obtenu un tel ticket.
Père Léopold, à de nombreuses reprises, j'ai prié, s'il vous plaît, mon Dieu, bénis-moi d'ignorance. Rendez-moi aveugle à ce qui se déroule sous mes yeux. Je ne suis pas qu'un simple machine suivant des hommes, mais j'ai toujours su dans mon cœur que je voudrais ou je devrais payer pour toutes ces années de te tourner le regard. Ce qui m'attriste le plus, c'est que maintenant que ce jour est enfin venu, tu es celui qui a subira les conséquences et pas moi. Aujourd'hui, je perds un ami. Je ne peux m'empêcher de me demander si tout... Si nous devrions vraiment en arriver là, peut-être que si j'avais trouvé le courage de remettre mes ordres en question, j'aurais su que c'était notre dernier voyage. Et je te salue, mon vieil ami. Je suis réellement désolé que ça doive se terminer ainsi. Salut El Diablo, salut Cayenne
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers Anya et Bartek, c'est en anglais. Nous sommes entrés dans le train. Nous pouvons empêcher de penser à vous et vos faces tristes. On a vu vos... On a attendu que vous... On a vu que vous avez fait des au revoir à votre mère, ma chère mère. Juste vous rappeler, ce n'est pas mon premier tour. Vous savez, toujours retourner rapidement à la maison, mon jeune oiseau. Cette fois, j'ai performé d'une façon très spéciale à cet endroit. Tu peux imaginer avoir un super cadeau lorsque je retournerai. Tu peux m'écrire tes rêves. Fais-tu dans mon pouvoir pour réussir à réussir. Anya, s'il vous plaît, rappelle-toi de prendre soin de ton petit frère. Ça va bien trop. Love, je t'aime, ta mère. Rappelle-toi, faut toujours jouer un de mes disques. Tu veux entendre la... Je vais entendre maman chanter.
Oh non. Il manquait un chemin, putain. Comme les graines, nous nous développons sous la terre, dans cette terre où fertile allemand, nous pousserons et garderons une école juillet. Poème bizarre. Lettre d'invitation, nous sommes heureux de vous annoncer la suite de vos exploits remarquables dans le domaine de la maternité. Vous avez été invité à rejoindre Kasserschaff, vous ainsi que les autres femmes ayant reçu la croix d'honneur de la mère allemande reconnue par la bonne de chère Madel, être priée de rejoindre Gasserschaff le 19 mai 1960, puis apporter votre Ausweis. Cette lettre ne constituant pas un billet d'entrée valide, nous vous rappelons également de bien vouloir lire en détail la liste d'affaires personnelles officielles fournies par le bureau pour la race et le peuplement. Consigne d'entrée et d'entrée dans le garçon. Suivez les consignes étape par étape. Préparez votre osseur. Faites la queue au niveau de la fenêtre. Remettez votre osseur à l'agent pour qu'il tamponne. Récupérez votre pièce d'identité tamponnée et dirigez-vous vers l'entrée dans l'ordre du calme. Gagnez votre osseur tamponné à la fin. La console d'entrée, votre osseur tamponné et votre étiquette d'entrée dans Gassenschaft.
Tous les nouveaux arrivants, bienvenue à Gacha Snaf. Vous vous trouvez actuellement dans la salle d'accueil en raison d'une pression atmosphérique plus élevée. Il ne peut que vous ressentir une sensation d'étourdissement. Ne soyez pas inquiet, votre corps s'adaptera rapidement à ce nouveau condition. Vivre à Gacha Snaf est une garantie en sécurité, innovation et liberté contre tout crime. Chacun d'entre vous a été méticuleusement choisi par le département de la politique raciale pour continuer le range de 1000 ans. Et ces lieux où les détériorations du monde extérieur ne peuvent vous atteindre. Et ces lieux où les faibles d'esprit et de corps ne peuvent perpétuer leur souffrance à travers leur enfant. Et même si vous vous trouvez loin de terre, l'histoire nous montre que la solitude fournit les conditions idéales pour le développement des plus grandes sociétés. Je suis furieux, j'ai été enlevé du front en plein milieu d'un assaut contre l'ennemi et caché sous terre tel un couard, juste parce que on a besoin d'une personne de mon rang pour protéger des dignitaires de haut susceptibles ou non de venir dans ce refuge. J'avais préparé cet assaut pendant des semaines et je suis vu refuser l'opportunité d'en assurer la réussite. On m'a dit bientôt le front n'existera plus et vous devriez considérer cela comme un honneur. Quelle audace! Je demande ce que m'en laisse regagner mon poste dans le plus bref délai. Heil Hitler, Abendam et Hugo de Ventage. Salut Elko, comment ça va? SCOM 91. Salut. Hugo, chef de la formation d'infanterie. Cher colonel, je viens de recevoir la directive de formation proposée par le programme de garde nationale pour la 3e Reich. Il aura pour but de préparer les enfants à s'engager dans le Volkswagen. L'auteur de ces directives est un certain major Kunchink.
Je doute certainement que ce major Kotchik ait déjà rencontré un enfant en cours de sa vie. Quiconque a déjà vu un enfant n'ajouterait pas d'activité telle que la recharge d'un fusil afin de développer la coordination. Un programme pour enfants de 5 ans. Je demande fermement à ce que vous rejetiez ce programme et en créez un nouveau à l'aide de psychologues en développement humain. Ils vous feront part de leur savoir au sujet de la capacité motrice et mentale des enfants à différents stades de leur développement. Et contrairement au major Kotchik, en quelques notions de ce qui constitue une véritable pédagogie. Nation du Führer uniquement vers 1949, puisque l'Union soviétique reste son ennemi et que nous ignorons pas dans combien. En combien de temps les États-Unis resteront neutres, nos propriétés sont suivantes. Sont les suivants. Produire un grand nombre d'armes nucléaires, développer une méthode nous permettant de déployer ces armes à distance. Nous échouons à accomplir ces deux points et anéantir les ennemis du Reich. Nous devrons alors nous préparer au plan B, neutraliser temporairement l'ennemi en déployant toutes les puissances atomiques à notre disposition, mettre le Volk à l'abri et de préparer un combat final. Voici les éléments fondateurs de ce plan. Finir le travail du programme Kell intelligent aussi vite que possible. Construire un réseau de bunkers résistant aux radiations et doté d'une autonomie assez importante pour y habiter environ 15 ans au minimum. Préparer une arme nucléaire tactique. Préparer l'évacuation des membres les plus importants de la société. Une fois que l'ennemi marche sur le sol du Reich, évacuer ses citoyens dans les bunkers. Attaquer l'ennemi avec toutes les armes nucléaires disponibles, le neutralisant temporairement et protégeant la zone grâce aux radiations. Créer une société de guerriers dans les bunkers qui produiront et perfectionneront de nouvelles armes. Retournant à la surface et vaincre l'ennemi une fois pour toutes. Retranscription du S d'une conversation enregistrée entre le gardien Stanislav Max Finchi et le directeur du commissaire. Mais qu'est-ce que vous foutez de bande de crétins? Je n'ai toujours pas d'épôtre. Si vous imaginez que je vais attendre jusqu'à la prochaine récolte, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Mais qu'est-ce que vous avez tous dans cette foutue céréale? On m'appelle 30 fois par jour depuis la Vaterland, depuis la protectorat de Bohème-Moravie. Et même depuis la France, tout gueule pour du blé, du pacotille. Il y a plein de générations depuis le Moyen-Âge qui ont vécu sans toucher à ce truc et ça n'a pas l'air de les avoir bien dérangés. Moi, ça me dérange, j'ai des ordres. Je dois m'assurer que la livraison soit bien effectuée. Les céréales, ça ne se fabrique pas à la chaîne, dans les usines. Je ne peux pas en sortir de mes fourneaux comme ça. Vous voyez quoi? Que j'essaie pas de chercher moi aussi? Allez vous plaindre auprès du ministre de l'Agriculture. Salut Bad Hawk. Pour des remerciements du professeur Kurt Armand, vainqueur du 25e jubilé du prix 3e Reich, accordé aux cérémonies de remise. Nous avons conçu avec succès une machine informatique dont la capacité de traitement est au moins 50 000 fois supérieure à celle de l'ENIAC américain. Sa construction repose sur les récentes découvertes portant les méthodes de communication neutrologique.
neurologique dans l'hippocampe pouvant être alimenté par de faibles impulsions électriques. Sur l'activation, il sort une partie du cerveau qui ne sera normalement pas utilisée. Cette interface lui permet de traiter et d'enregistrer simultanément des informations tout en utilisant pour la gestion du processus, nous prédisant une durée de vie opérationnelle de 4 ans après cette période de puissance de traitement commencera à décliner, mettant potentiellement en danger la stabilité du système. Bonjour Aled, je sais qu'il y a quelqu'un. I know you're out there. Je sais qu'il y a quelqu'un. Was it the cameras? C'est à cause des caméras, tu as remarqué qu'elle te suivait? C'est pas facile à diriger. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Who says I want anything? Qui a dit que je veux quelque chose? Je t'observe juste par curiosité. Who are you? Qui es-tu? I came here. Je suis venu ici pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à récupérer, tout comme toi. Enfin, c'est pour ça que tu es là, pas vrai? Oh, you can tell me. Tu peux me le dire. Je cherche quelqu'un. I'm looking for someone. Je n'ai vu personne d'autre ici. I haven't seen anyone else here. But hey, I can bon, help je peux t'aider avec ça. I'm in some sort of dans une pièce du centre de contrôle, alors j'ai une assez bonne vue de sur tout ce qui se passe. Il y a des caméras, des interrupteurs et plein d'autres choses ici. Je pourrais t'aider à trouver les personnes que tu cherches. What do you say? How can I trust you? Comment tu sais que je peux te faire confiance? Je ne sais pas, fais-moi confiance, c'est tout. Somehow I got pas comme comment, mais je suis retrouvé enfermé ici. Je suis venu que tu trouves la salle de contrôle et que tu me libères. You help me and tu m'aides et je t'aide, on appelle ça un quiproquo. Quiproquo. Ah, je ne savais pas. Ouais, je suis sûr qu'on a plein d'autres choses à enseigner à un autre. Je vais t'aider, dis-moi comment faire. Alors, j'ai cette carte et je pense avoir déchiffré. Nous sommes au deuxième niveau. We are on level 2. Ça semble plus au deuxième sous-sol, si tu veux, à mon avis. En bref, c'est la pièce que tu trouves est connectée à un entrepôt qui mène à la forge, et c'est là que la salle de contrôle devrait se trouver. C'est là que tu te trouves. C'est ça, viens ici et fais-moi sortir de là avant que je ne perde complètement la boule. Comme preuve de la bonne volonté, je vais même t'ouvrir la porte. Voilà. Alors, je pense qu'il faut y aller. Yep. Ouais, sois prudent. Be careful out there. Did you want to say something? Non, rien. Don't worry. Le problème parfois, moi aussi, je sais ce que je veux dire. What I wanted to say as well. I'm not going anywhere, so ouvre pas de là où je suis, alors si tu vois un microphone, tu peux me dire bonjour. C'est ce que tu veux. Or whatever. Cet endroit est construit de sel, je ne peux pas de la grotte, pas de l'entrepôt. Je me suis dit que ça t'intéressait de connaître quelques anecdotes sur cet endroit. C'est peut-être bien le seul truc que je sais à propos de cet endroit. Il y a des haut-parteurs partout dans l'entrepôt, alors tu vas m'entendre. Il y a
directive du ministre de l'Armement. Les premiers matériaux disponibles pour les colons seront tous métal, bois et cuir, qui pourront récupérer sur les trains utilisés lors de l'opération Utenturmberg. Submersion, ces derniers devront donc être démantelés et leurs matériaux récupérés pour des utilisations immédiates. Nous rappelons à tous les colons qu'une fois le jour de son abandon arrivé, le bunker devra avoir produit des armes et des provisions pour au moins deux divisions dans la mesure où les matériaux et les capacités disposent de permettre. Un travail de recherche et développement devrait être effectué pour améliorer les armes que nous possédons et un développement de nouvelles afin de s'assurer de notre victoire. Qu'est-ce qu'ils gardaient dans ces caisses? Elle est bien utile si elles n'ont pas été ouvertes. À moins qu'ils n'aient jamais eu l'occasion de les ouvrir. Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire. Non, je pense pas que ce soit. C'est ça pour ça. Tu t'en sortiras pas si facilement. I can't get through. Je peux pas passer. Vois ça, j'ai une idée, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Vois cette grue de lavage? Je crois que je peux la contrôler d'ici. D'abord, il va falloir faire descendre ce truc. Tu peux faire quelque chose de ton côté? Imagine que je peux essayer. Je dois le tirer. What are you planning to do? Les domiciles. J'ai besoin de concentration. Ça va exploser. Ça va pas exploser. Attention. Ça va bien? Comment ça, ça va pas exploser pas? Je ne savais pas. Alors tu m'as mis en danger? Tu t'es fait sortir de là, non?
Anyway, I en tout cas, je ne vois pas de caméra là-dedans, alors je te retrouverai de l'autre côté. Meet you on the other side. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour le jeu Paradise Lost live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah!